Apprenez pourquoi un corgi gallois fera ou ne fera pas un bon animal de compagnie. Le corgi gallois est un petit chien de type troupeau originaire du pays de Galles. Il y a deux races différentes dans la famille. Ce sont les Pembroke Welsh Corgi et les Cardigan Welsh Corgi, les Pembroke étant les plus populaires. Bien que les corgis soient utilisés principalement pour l'élevage de bovins, ils sont connus pour garder les moutons et même les oies. Ces petits gars sont uniques dans leur technique d'élevage, car ils ont le talus quand ils élèvent des bovins. Leur petite taille les empêche de recevoir des coups de pied et si la vache se tourne pour les charger, ils ont le courage de rester ferme et de se mordre le nez. Maintenant que nous avons vu certains de leurs traits, voyons si ce sont de bons animaux de compagnie. Avantages. Votre animal de compagnie corgi s'intégrera bien dans votre famille si vous avez déjà des animaux de compagnie, ils s'entendent bien avec tous les types. Les corgis gallois sont très sportifs et pratiquent une activité physique intense. Ils sont parfaits pour la famille active et ils aiment particulièrement les enfants avec beaucoup d'énergie. Si vous avez de jeunes enfants, un animal domestique corgi sera particulièrement apprécié, car leur instinct de garde et d'élevage contribuera à leur sécurité. Les corgis gallois sont courageux, confiants et alertes, ce qui en fait d'excellents chiens de garde. Même s'ils ne sont pas très gros, ils se rattrapent avec un grand cœur. Vous constaterez que le pelage de votre animal, Welsh Corgi, est facile à entretenir avec un brossage régulier et un bain occasionnel. Leur pelage est assez imperméable, ce qui signifie qu'un peu d'eau ne les gênera pas trop. Ils sont faciles à vivre et se font des amis avec à peu près tout le monde. Avec une formation adéquate, vous ne craindrez pas que votre animal de compagnie corgi soit impoli ou hors de contrôle. Ils sont nés compétiteurs et se débrouillent bien dans différents types d'essais et très bien dans les concours d'élevage. Leurs jambes courtes les empêchent normalement de sauter sur les lits et les meubles. L'inconvénient à ceci est que vous devez obligatoirement les faire monter dans la voiture. Les corgis gallois sont de beaux chiens et attireront de nombreux commentaires positifs de la part de ceux qui les verront. Les inconvénients. Votre animal corgi sera versé, alors brossez-les souvent. Ce sera également une expérience de liaison et les rendra très heureux. Les corgis gallois doivent rester actifs et occupés, sinon leur ennui peut être source de malice. Corgi sait comment mordre la tête pour tenter de rassembler des gens. Cela est particulièrement vrai avec les enfants qui peuvent s'éloigner de l'endroit où votre animal pense qu'il devrait être. L'entêtement peut être un facteur négatif lorsqu'on tente de former un corgi. Utilisez beaucoup de patience et essayez différentes méthodes pour voir laquelle fonctionne le mieux. Parlez à d'autres propriétaires de corgi pour voir ce qui a fonctionné pour eux. N'abandonnez pas leur formation ou vous pourriez ne pas aimer les résultats. Puisqu'ils sont bergers et chiens de garde, ils peuvent avoir un aboiement fort. Vous devrez les former quand ils sont censés aboyer et quand ne pas le faire. Les corgis sont quelque peu territoriaux et ne sont pas trop heureux quand des humains ou des animaux extérieurs entrent dans leur région. Une fois qu'ils auront déterminé que tout va bien, ils seront extrêmement accueillants. Parce qu'ils sont longs et bas au sol, ils peuvent avoir des problèmes de colonne vertébrale et parfois de l'arthrite. Des visites régulières chez le vétérinaire peuvent éviter ces problèmes. Corgi doit être nourri avec une nourriture naturelle, nutritive et nutritive pour chiens, afin de maintenir un poids santé. Comme la plupart des chiens, ils mangeront tout ce qui se trouve devant eux, vous devez donc les suivre au régime car ils ont tendance à prendre du poids. Ils aiment être là où se trouve leur famille, c'est-à-dire à l'intérieur si la famille est à l'intérieur, à l'extérieur, si la famille est à l'extérieur, dans la voiture, si la famille se promène en voiture. Maintenant que vous avez appris le pour et le contre d'avoir un animal de compagnie, corgi, je suis sûr que vous pouvez voir pourquoi il ferait un bon animal de compagnie. Si vous voulez immédiatement tomber amoureux, jetez un coup d'œil à un chiot corel du Welsh. Ils ressemblent à de petits renards et sont aussi mignons que possible. Avec une formation adéquate, de la patience et de l'amour, votre corgi procurera à toute votre famille beaucoup de joie et de camaraderie, en particulier si vous ou un membre de votre famille avez beaucoup d'énergie. He's trying to play. Come here. Arlo. Come here. Archie. Right here. Look at your puppy, Brooks. Right here. Get him, Brooks. Get him. Avis du propriétaire.
Les critiques de la race sont positives. Selon la plupart des propriétaires, les chiens se distinguent par leur intelligence, leur bonne humeur, leur gentillesse et leur faculté d'apprentissage. À en juger par les critiques, le chien doit être souvent baigné dans l'eau, à cause de ses pattes courtes, la fourrure sur le ventre devient constamment sale, surtout par temps de pluie.